أو أحد المسؤولين في وزارة الثقافة الفرنسية كيف يرى العلاقات الثقافية الفرنسية المصرية وما ينقصها بعد يعني وما ينقصها حتى يعني نكون يعني بنرسم الطريق للمزيد من العلاقات الثقافية المصرية الفرنسية. Je commence avec Kevin. En fait, qu'est-ce qui était une bonne par rapport à la coopération stratégique de la France et c'est quoi exactement le chemin pour évoluer cette relation entre les deux pays? C'est voilà, la France est un grand pays de la culture et aussi en Égypte. Mais qu'est-ce qu'ils ont pensé par rapport à cette coopération et comment on doit prendre le chemin pour ça? Alors. Il y a sans doute plusieurs directions possibles. Après, moi, je ne suis pas forcément un spécialiste de la question. Comme Jeanne l'a dit, la France et l'Égypte sont deux pays qui ont une grande culture, une grande histoire. Alors l'Égypte est beaucoup plus ancienne, la France est beaucoup plus jeune à ce niveau-là. Les deux se complètent, leurs histoires se croisent. On a eu Champollion, on a Napoléon qui était passé. Donc voilà, les deux pays sont liés. Alors après, comme il y a beaucoup de collections dans les musées français, éventuellement, il peut y avoir des échanges entre musées, comme en plus ici, il y a des constructions de musées qui sont toujours en cours pour centraliser telle ou telle période ou telle dynastie. Donc des échanges entre les collections, je pense que c'est un départ qui est intéressant. Voilà. Merci beaucoup Kevin, parce que c'est vraiment très fort ce point. هو كيفين بيقول ان المفروض ان العلاقات المصريه الفرنسيه هي قويه على اعتبار ان هي بيقول مصر اقدم حضاره من فرنسا، فرنسا لسه يعني مبتدئه او يعني بالنسبه للمقارنه مصر فمصر طبعا اقدم، فطبعا هو بيتكلم على اساس ان هو ليه ما يكونش سبيل لكل تحقيق تعاون فعلي ان هو يكون من خلال عمل تبادل ما بين المتاحف، يعني جزئيات مثلا ياخدوها من متحف اللوفر مثلا ويجيبوها هنا ويعرضوها في مصر، وكذلك مصر تاخد حاجات وتعملها وتعرضها بره، فده يعني ده لو تم على مستوى الحكومات هيبقى طفره كويسه جدا، وكمان هيخلي العالم يكون فيه تبادل ثقافي من ناحيه المتاحف اللي هو طبعا